Le montage de casse-grain a plusieurs avantages optiques, mais quand il s'agit de calculer des grossissements ou les champs d'un tel montage, ce n'est vraiment pas facile de les réaliser ces calculs avec des miroirs. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on peut remplacer le montage par un système dioptrique, c'est-à-dire un système sans miroir, strictement équivalent au montage de casse-grain. Comment cela est-il possible? Eh bien, on se rappelle que la lumière arrive d'une étoile directement sur le miroir M1. Ce miroir M1 est sphérique concave, c'est-à-dire qu'il a son centre et ses foyers qui sont réels. Ça veut dire que, de manière équivalente, c'est comme si la lumière arrivait sur une lentille mince convergente, puisqu'une lentille mince convergente, elle aussi, a ses foyers F1 et F'1 du bon côté, c'est-à-dire réels. Donc on peut vraiment considérer que la lentille mince L1, c'est l'équivalent du miroir M1. Sauf que la lumière, au lieu d'être réfléchie par le miroir, elle est transmise par la lentille, mais de manière équivalente. Ensuite, normalement, la lumière va sur le miroir M2, qui est sphérique, mais qui lui est convexe, c'est-à-dire qu'il a ses foyers et son centre virtuel du côté des hachures. Ça, c'est possible de trouver un équivalent, puisque la lentille divergente, la lentille mince divergente, elle aussi a ses foyers virtuels, puisqu'ils sont inversés. Donc on peut remplacer le miroir M2 de manière équivalente par une lentille mince divergente. Et la lumière qui va être réfléchie par M2 et sortir du télescope va être transmise par L2 de manière strictement équivalente. Et en faisant cela, eh bien, on arrive à se faciliter la tâche, puisque maintenant, pour calculer des grossissements ou des champs, on a affaire à un doublé de lentille mince, et donc qui est beaucoup plus facile à manipuler. On peut même faire l'association du doublé et dire que c'est un système centré qui représente l'intégralité du casse-grain avec toutes les formules de doublé habituelles qu'on a l'habitude de manipuler. Voilà donc comment on peut remplacer un montage de casse-grain par un système dioptrique totalement équivalent.